C'est pas nous qui sommes en danger, c'est nous qui sommes en danger de qui nous sommes, hommes. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est en danger de notre propre jeu. Je suis en danger de mon « nous », en moi qui me noue. Je dis « on », la peur du jeu de la honte, du jeu vaincu, de la loi pour la loi, par de mon « jeu » qui me lie à moi. À la recherche d'une identité, je soulève mon « jeu » vers le « nous » qui me noue, me dénoue. D'autres « nous » en sont, font les frais. Ils n'ont pas l'identité qu'on leur demande. Ils sont étrangers à notre identité. Comment peut-on être en danger dans sa propre identité? Comment vivre en liberté? Comment non identifier? Comment justifier d'une identité indigne d'un papier signé? Signé par quelqu'un qui n'est ni mon père, ni ma mère, ni ma terre. Par quelqu'un que je ne connais pas, qui va signer mon papier pour vivre en paix. En un sens, la France entière était incluse dans la couille de Jean. Il y avait bien une poignée de fous qui émergeaient encore au bord, mais presque tous les gens normaux nageaient dans la même crème. En fait, 63 millions de porteurs de semences enflaient dangereusement la citrouille du roi qu'aucune cendrillon ne pourrait soulager sans quelque orage cataclysmique. Thank you.